un peu difficile, c'est pas de mots, ouais, Paris. Born and raised, motherfucker. Et voilà, donc on a continué à jouer, et on a trouvé, merci à vous, et on a trouvé chaque soir énormément de réconfort et de joie de vivre dans les gens qui sont venus nous applaudir et partager des moments de fête et de vie avec nous. Alors voilà, voir comme ça, moi, ça nous, ça me ça nous, ça fait ça re, ça fume, ça fait plaisir, merci beaucoup. Yeah.
Ooh.
conspiration, les uns contre les autres. Qu'est-ce que ça veut dire faire ça? Et vous, non? Ah! D'accord! Alors, très bien. Alors, oui. Alors, en fait, attendez, on va prendre 5 secondes. Parce que. Non, mais ça m'arrive souvent. Mais c'est parce que je me suis trompée dans la setlist. C'est quoi avec vos flashs, putain? T'as vu ce que tu m'as fait? T'as vu ce que tu m'as fait? Donc, voilà. Et souvent, quand je vois que je commence à aller vers quelque chose que j'ai envie de dire, et que je vois que derrière il démarre pas, et que je continue à parler, et que je commence à sentir des regards derrière mon crâne très persistants qui me transpercent presque le cerveau, c'est là où je commence à réaliser que je suis trop dans cette vie. Donc voilà. Let me alone. Voilà. Excusez-moi. Yeah.
Le chemin est plus court, entrer avant ce combat. Et la
Yeah.
C'est, ça va être très très limité, je pense que ça va faire chier 1079 autres personnes. Donc, on peut prendre le temps. On a tout le temps de toute façon. C'est ce qu'on a décidé maintenant, non? On a décidé qu'on avait tout le temps, de prendre le temps, de faire les choses qu'on aime, de faire les choses qui nous tiennent à cœur, de voir les gens qu'on aime, de profiter, de se calmer, de se poser. C'est vachement important. Moi, par exemple, je prends vachement le temps de venir voir mon pote David Courtin qui était dans la première partie qui habite à Lille. Moi, je viens souvent à Lille, très souvent. C'est vrai. Je sais pas si j'allais venir chez toi. Non, mais vraiment, t'as l'air gentil. Tu me fais peur. C'est pour dire que j'aime beaucoup votre ville, vraiment. Donc merci David et là. C'est un bon choix de vie, bravo. Dès que vous n'avez pas eu le choix, mais c'est un bon choix de rester. En tout cas, vraiment, je prends beaucoup de plaisir. Donc c'est encore plus merveilleux de venir jouer à Lille. Voilà. J'avais 14 ans, non? C'était il y a hyper longtemps, je me souviens plus trop. Tu dirais quand, toi? C'était quand? Quelqu'un a une date? Personne n'a de date. Tout le monde était bourré. Personne ne me souvient. Moi, je sais que oui, c'est pour ça que je ne me rappelle pas, même. C'était là? Ah, bah voilà. Je vous aime beaucoup. Vous êtes vraiment un public sympa. Vas-y, mets-nous les chansons! Que vous allez après, j'espère qu'après ce concert, vous allez un peu vous saouler. Et... Ouais, ouais, non, mais se saouler dans l'allégresse et dans la joie. Et pas se saouler, je veux dire se saouler de la vie, être ivre de vie, être. Voilà, j'aimerais bien que. Putain, on peut pas en placer une avec vous, quoi, c'est pas possible! Je pense que c'est moi un petit peu trop loin.